Hey tout le monde, on est en mars! En fait, quasiment plus avril! Non, c'est une joke! Bizarrement, 1er avril, 20 février, non, ça va pas aujourd'hui. 20 février, toute la neige fond! Il fait beau! Comme d'habitude au Québec en ce moment, février, c'est comme le pic de l'hiver, il fait vraiment plus froid que ça, puis c'est pas comme que ça en ce moment là. Et c'est ça, bizarrement, il fait comme. Genre chaud et soleillé, mais non, c'est ça, c'est comme fait chaud, fait beau. Et on s'en va au Costco! Oh ouais, fait chaud, fait beau, on va au Costco, that's it! Si vous suivez nos vlogs depuis un petit moment, vous saviez qu'à chaque fois qu'on vient au Costco, Jay regardait toujours cette table de travail ici, puis il avait vraiment hâte de l'acheter. Et c'est finalement le moment aujourd'hui. Je vais mettre tous mes outils là-dessus, puis construire plein de dildos mécaniques. Non. Ah ouais, sans tes muscles. Ah, mes muscles, ils ont mal, les gars. Ils ont très mal, mes muscles. Parce que l'affaire, si je sors ça seul, je me tue. Je vais t'aider. Ou tu veux-tu que j'aille chercher un petit monsieur? Ok. On va essayer. Ouais. Finalement, c'était pas mal trop lourd pour moi. On a demandé l'aide d'un gentil monsieur qui a aidé Jay. Ben, on a acheté beaucoup de stock. Mais, des choses importantes. Coquine et délicieuse. On a acheté de la bouffe. Oui. On est du retour du Costco et on a acheté plein de choses, entre autres ce truc pour la douche qui est à l'envers. Non, c'est un petit truc pour mettre dans la douche. Ah! Pour mettre nos petits savons puis shampoings puis tout ça parce que celui qu'on a, il est vraiment pas pratique en ce moment. Sinon, on a acheté des boîtes de Kleenex, des Vitamin Water, des Bounty pour essuyer. Des Bounty pour tuer, pour ceux qui sont anglophones. Ah, Bounty Hunter. Un chargeur externe pour Jay. Des petits trucs de Star Wars, des petits, je sais pas comment ça s'appelle là. Des grignotines, tiens, on va dire ça comme ça. De Star Wars. Et on a aussi un autre truc qui est dans la voiture en ce moment. Parce que Jay était pas capable de le soulever tout seul, puis moi, j'étais trop faible pour le soulever avec lui. Fait qu'on va attendre nos amis tantôt, ils s'en viennent, fait qu'ils vont pouvoir nous aider. Mesdames et messieurs, n'ayez jamais honte de dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose si ça peut vous blesser. C'est vrai. Votre orgueil ne vaut pas votre santé. Le message du gouvernement Jay. Bon, ben là, je viens de finir de filmer un petit truc, parce que je vais vous le montrer tantôt, là, mais j'avais filmé quelque chose vendredi, je crois, mardi. En tout cas, je me rappelle plus quand est-ce que j'ai filmé, mais je me suis rendu compte que j'avais fait le focus sur les biscuits au lieu de sur le verre, fait que ça marchait pas vraiment. On voit pas vraiment la caméra, là, c'est vraiment plus apparent en vrai, mais le focus a vraiment été fait sur l'assiette de biscuits ici et non sur le verre, puis ça me dérangeait vraiment, fait que j'aimais mieux reprendre quelques minutes pour le refilmer puis être sûr que la vidéo soit vraiment mon goût. Mais autre que ça, j'avais quasiment fini le montage de cette vidéo-là, fait que ça avance vraiment bien pour ça. Puis là, aujourd'hui, on est lundi, puis je me demande si je vais faire une vidéo mercredi encore, parce que j'ai des idées, mais rien que je peux produire puis monter assez rapidement pour ce que ça va donner. Tu sais, ça me tente plus de faire des vidéos style favori du mois pis des trucs comme ça. Comme moi, je regarde plus, fait que je me dis, si moi, je regarde pas ce style de vidéo-là, ben, il y a sûrement beaucoup de personnes que c'est le même cas. Fait que j'avais pas vraiment envie de faire une vidéo, tu sais, où que je me dépêche de la faire juste pour la mettre en ligne. Fait que je pense que, dans le fond, cette semaine, je vais en profiter pour planifier comme mes autres vidéos des prochaines semaines pis que ça va juste être du meilleur contenu. Mais si ça peut vous consoler, je pense que vous allez vraiment aimer les prochaines vidéos parce qu'il y a celle de samedi qui est la collab avec Amélie pis celle de samedi prochain. C'est quelque chose que moi et Jay on fait ensemble, que je vous avais parlé dans les derniers vlogs, là, mais je pense que ça va être vraiment drôle. On va filmer ça mercredi, je pense. Fait que vous allez vraiment adorer cette vidéo-là, je suis certaine. Bon, là, on essaie de trouver un grand terrain où est-ce qu'on peut comme creuser, puis pas grand monde connaît. On a comme ça fait exprès rentrer dans quelqu'un avec l'auto. On veut juste cacher le corps. Pas vrai, t'es niaiseux, il dit pas ça. Oui, on s'en va. Le texte. Mentionne pas le corps. Nous allons au Léon chercher possiblement un sofa meilleur et ou moins cher. PS, mentionne vraiment pas le corps. C'est ça, donc on s'en va chercher pour possiblement d'autres places où on peut peut-être trouver le sofa des rêves. Parce qu'il y a un sofa que j'aime bien. Et que tout le monde connaît parce qu'à chaque fois qu'on va au Carrefour Laval, tu vas tout le temps l'essayer au Crate & Barrel. Mais il est juste comme ridiculement cher. Ah, le soleil d'en face! Excusez, j'ai le soleil en face. Et donc c'est ça, ça va, on s'en va surtout pas cacher un corps et on va chercher des sofas. C'est correct? Clé? Presque. Ouais. Ok. L'appel là. Il a trouvé sa chaise de maître. Puis l'a vu plus se lever.
Donne ta main. T'es tellement con. Ah ouais, lève-toi. Je serais pas capable. Passe pas trop sans se péter. Regarde. Qu'est-ce que tu fais dans le fauteuil de princesse? Oh, ta gueule. Tu vas le briser plus qu'autre chose. Let it snow, let it snow. C'est let it go. Ah. Je sais pas, il y a de la neige dans le film. Oh ouais, let's go, toi. On est dans une animalerie, pis c'est vraiment cool parce qu'ils ont pas de chatons, ils ont juste des gros chats. Pis ça dit merci de donner une deuxième chance aux chats adultes, puis mon cœur il fond en ce moment comme. Regardez ça, comment elle est belle. Je veux un chat. Regarde, elle est trop belle. C'est marqué ça dans tout ce qu'elle dit. Ouais, marqué c'est beau aussi. Ce soir, je m'apprêtais à ce qu'on soit fiers, qu'on vous rende fiers, parce qu'on n'allait pas manger au restaurant. On est allé au Costco tantôt, puis on s'est acheté un magnifique, genre, rôti défiloché de porc. Ça va vraiment bon, mais j'ai mal lu les instructions. Je pensais que c'était 15-20 minutes au four, mais là, c'est 100 minutes par kilogramme, puis il est déjà comme pratiquement 7 heures. Fait que ça veut dire pendant 2 heures, faudrait le faire cuire. Bah! Mais qu'ai-je que fait? Genre, c'était vraiment. Honnêtement, c'est ma faute. J'ai laissé Catherine lire. Mais je sais lire, mais j'ai juste mal lu parce que j'étais juste comme trop excitée de manger notre truc de porc. Mais comme, ah, regardez ça, comment il a l'air bon, mais. Ah, merde! Ben, on peut attendre, puis manger d'autres choses en attendant. Hein. On attend tranquillement que notre porc soit en train de cuire à cause de mon ferme total. Non, puis... t'étais pas tant ferme, t'étais juste à 2 minutes, 2h20 de différence du temps de cuisson réel. Pas grave. Oh, David est arrivé. On va vous parler après. Je m'en vais ouvrir à David. Puis j'ai échappé ton verre. Présentement, 9h46 et notre porc est prêt. Ouais. Puis David pour nous aider. Là, là. Alright. Arrête, moi aussi, j'aille. Ouais, Kev aussi, y a, Kevin aussi. Y a. Bon, en tout cas, David, que vous avez déjà vu dans un vlog passé, il a étudié en cuisine, fait qu'il est bon, fait qu'il a. Pas de... sûr de montrer Kevin, parce qu'il n'y a pas de chandail? Ben, on montrera pas Kevin, pas de chandail. Pourquoi? Dans la vidéo, là. C'est pas un graphique, c'est légal. Quelqu'un peut aller se baigner, puis il n'y a pas de chandail. Allô, Kev. En tout cas, bref, avec David, y a de moi, puis Jay, qui sont pas très bons en cuisine. Une fois qu'ils ont vu Kev sans chandail, il n'y a rien que tu vas dire qu'ils vont prendre leur attention. Ah, ok. D'accord. Regarde, là. Est-ce qu'on peut manger maintenant? Déguster de nos yeux, Kevin, bien sûr. Tantôt, avant que David arrive, on vous avait dit qu'on voulait vous parler, puis je suis certaine que notre suspense vous a tenu en haleine pendant les quelques minutes. En haleine? Ouais, c'est une expression, ça vous a tenu en haleine. Dans le sens que. Pourquoi on tiendrait leur haleine? C'est plus le souffle qui nous tiendrait. Ok, tu m'énerves. Mais je suis juste réaliste. En tout cas, bref, on avait envie de vous parler de quelque chose, là. Je suis enceinte. Non, c'est pas ça. J'essayais de trouver une belle expression pour dire ça, mais dans le fond, je veux tout simplement dire qu'il n'y a rien de sûr encore. C'est quelque chose qu'on envisage potentiellement, puis qu'on pense tous les deux, puis qu'on en parle de tantôt. Est-ce que tu l'annonces ou je l'annonce? Non, l'avance au pire. On prépare peut-être un voyage en Europe, ce qui inclurait peut-être un ou plusieurs meet-ups en France, comme qu'on se l'est souvent fait demander. Ouais, fait que là, comme je dis, il n'y a rien de sûr encore, on est en train de voir nos possibilités, mais on voulait comme commencer à vous l'annoncer quand même, ben parce que, un, vous nous le demandez beaucoup, puis deux, ben on voulait comme savoir un peu vers quand, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, en fait, comme est-ce que ce serait plus en juin, est-ce que ce serait en juillet, est-ce que ce serait, je sais pas, fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce qui vous irait le plus. Là, évidemment, je vais vous le dire tout de suite, c'est certain qu'il n'y aura pas genre des meet-ups dans toutes les villes de la France parce qu'on n'est jamais allé comme les deux, on n'est jamais allé en Europe. Fait que c'est sûr qu'on va vouloir visiter aussi, on va pas tu sais juste faire des meet-ups à chaque jour dans plein de villes différentes, mais c'est sûr qu'il va en avoir minimum un, peut-être plus, je sais pas, on verra rendu là. Mais on voulait quand même avoir votre avis là-dessus, fait que vous nous direz ça dans les commentaires. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Fait que... J'écoutais à moitié, je lisais les descriptions de plusieurs émissions. Ah, tu cherches une nouvelle émission, regardez. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça, on voulait juste vous commencer à vous l'annoncer comme ça, puis j'imagine que ça sert à rien de vous demander si ça vous tente, parce qu'au nombre de demandes qu'on a pour venir en France puis faire des meet-ups et tout ça, ben c'est certain que, en tout cas, je suis pas mal certaine que ça vous tente. Là, je veux pas avoir l'air trop sûre de moi-même, mais je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Fait qu'en tout cas, on verra en temps et lieu, c'est sûr qu'on va vous en reparler là, éventuellement, une fois que ça va se clarifier puis tout ça, mais
Je pense que ça pourrait être bien. Puis je vous avouerais que je suis un peu excitée parce que moi, ça fait vraiment longtemps que je veux aller en France. C'est une de mes amies, Marie, qu'on se parle depuis qu'on a comme 11 ans. Puis tout le monde me demande si c'est une Joy Phoenix, mais non, c'est pas elle, c'est une autre Marie. On se parle depuis qu'on a 11 ans, puis on s'est jamais rencontrés en vrai encore. Fait que c'est certain que comme j'ai vraiment hâte d'aller en France, c'est justement pour la voir, puis tout ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on verra, mais on voulait juste se lancer le sujet. Fait que voilà. C'est alors que nous quittons après ce vlog. Ça va? Ouais, je le sonnais un peu comme dramatique. C'est comme à travers les âges, l'expression, les paroles de cette vidéo seront reflétées à jamais pour l'éternité tant que les serveurs de YouTube marchent. Je vous aime. Soyez coquins, soyez beaux et surtout, pensez-vous, Eden. Comme tu viens de faire. T'as les dents propres. Vous aussi brossez mon anus? Non. 4, il dit caca avec son dedans. S'il y a une place qui doit être propre, c'est bien les miens là.